terminer ça, je voulais faire. Donc j'ai mis en image là un article qui est paru il y a quelques mois et qui résume un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est que la complexité des systèmes est en accroissement très fort, et donc on va avoir un certain nombre de pistes de réflexion là-dessus. Et dans ce contexte, l'intelligence artificielle n'est qu'un des sujets, hein. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure du deep learning, mais le deep learning, certains déjà pensent que ce n'est plus de l'intelligence artificielle. Donc, au cours de l'histoire de l'IA, un certain nombre de technologies qui ont été développées dans le contexte de l'IA et ensuite sont quasiment sorties de ce contexte-là pour devenir des outils, je dirais, de la bibliothèque algorithmique de l'ingénieur. Et donc, ce problème, en fait, il est plus large que l'IA lui-même. Je veux revenir, moi, sur quelques points qui ont été abordés et qui vont permettre de dresser un peu certaines pistes de recherche qui sont actuellement envisagées d'une façon importante. Déjà, un premier problème des systèmes d'IA actuels, alors je parle de ceux qui utilisent les techniques des réseaux de neurones, en particulier avec apprentissage supervisé, qui est aujourd'hui la plus grosse partie de ces systèmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage supervisé ? C'est, on va prendre le réseau, on va lui présenter des données qui correspondent à ce qu'on veut lui faire apprendre, et on connaît les sorties, donc on va lui présenter les sorties. C'est en ce quoi il est supervisé. Quand tu vois la tête de chat, eh bien, en sortie, je lui impose de dire que c'est une tête de chat, et le système, l'apprentissage, ce qu'il va faire, c'est en fait recorriger tous les petits paramètres en amont pour obtenir le bon résultat. D'accord ? C'est en ce sens que c'est supervisé. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il fallait énormément de données, donc des millions et des millions de têtes de chat, pour reprendre mon exemple, pour arriver à ce que le système ait une très bonne fiabilité. Donc ça, c'est un premier problème. Ce besoin énorme en termes de données, j'y reviendrai. Second problème, c'est cet effet boîte noire. Parce que quand on regarde à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des millions de coefficients qui règlent les entrées synaptiques. Vous vous rappelez de mon petit schéma tout à l'heure du neurone. Et donc, quand on regarde à l'intérieur, ce n'est pas un schéma synoptique classique ou un algorithme particulier. On voit des millions et des millions de paramètres. Et donc, c'est quasiment... enfin, en tout cas, ce n'est pas impossible à analyser, mais c'est très difficile à s'apercevoir ce qui se passe. Pas impossible, mais c'est très compliqué. Donc, on parle d'un effet, effectivement, boîte noire. Il y a d'autres problèmes qu'on a évoqués également. C'est que, comme le système est évidemment apprend à partir des données qu'on lui fournit, si les données qu'on lui fournit possèdent un certain nombre de biais ou d'erreurs, eh bien, le système va les reproduire. C'est comme si un enfant, on ne lui apprend pas à être poli, ou alors on lui apprend des mauvaises manières, eh bien, il va les répéter derrière. C'est exactement ce qui peut se passer avec un système intelligence artificielle. Donc, faire attention à ce qu'on lui apprend. Et enfin, un certain nombre de travaux ont montré qu'ils étaient assez sensibles, dans l'état actuel de nos connaissances, en termes de sécurité et de sûreté. On peut les contourner assez facilement. Là, je vous ai mis une image. Il reconnaît à pratiquement 60% un panda. En injectant un petit peu de bruit sur l'image du panda, eh bien, le système est plus capable de reconnaître. Et oui, il va reconnaître d'autres... là, il reconnaît un gibbon, alors que... On a juste ajouté un petit peu de bruit de façon mal intentionnée dans le système. Et en fait, d'autres travaux montrent qu'on peut, en traficotant un petit peu les choses qu'on montre au système, eh bien, on peut le tromper d'une manière qui reste encore un petit peu facile aujourd'hui. Donc, donc, évidemment, tout ça sont des pistes qui sont importantes dans l'intelligence artificielle et en particulier dans le domaine
que sont les réseaux de neurones. Une des grandes pistes de recherche actuelles, c'est obtenir un algorithme d'apprentissage qui soit plus naturel et plus autonome. Hein, je vous l'ai dit, il faut des millions de données et il faut des donc plutôt un apprentissage de type supervisé aujourd'hui. C'est absolument pas naturel. Nous, on n'apprend pas du tout comme ça. On a besoin de quelques exemples et ensuite on est capable de généraliser. Donc une des grandes pistes aujourd'hui de travail en machine learning et donc en intelligence artificielle, c'est d'aller vers des architectures et des algorithmes d'apprentissage qui soient beaucoup plus, je dirais, simples à mettre en œuvre en termes de nombre de données et en exemples et en autonomie, qui demande moins de babysitting autour. Un autre chantier, c'est effectivement qui est un peu corollaire, c'est de donner du sens commun à ces machines. Hein, autant le système il est extrêmement performant sur les données qu'on lui a apprises, hein, j'ai dit on taquine les 100% aujourd'hui sur un jeu de données, autant il est incapable de prendre en considération son environnement et tout ce qui n'a pas été finalement intégré dans les données. Donc ça aussi c'est une piste. Une autre grande piste de recherche, c'est l'explicabilité. Comme je viens de le dire, un des problèmes, c'est que le système soit capable d'expliquer ses décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, il y a pas mal de travaux de recherche qui visent à chercher des architectures qui vont être capables non seulement de prendre des décisions, mais d'expliquer pourquoi ils ont pris ces décisions. Et bien sûr, en termes de sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire essayer de faire des systèmes qui soient beaucoup moins hackables de ce point de vue-là. Donc pour conclure, le deep learning, les réseaux de neurones, c'est la technologie la plus utilisée aujourd'hui, mais c'est une toute petite partie de l'intelligence artificielle, et même c'est une petite partie du machine learning. Hein. Il y a beaucoup d'autres technologies. Là, je vous ai listé les cinq grandes catégories de technologies qui s'inspirent. Donc les réseaux de neurones viennent dans la partie connexionniste, mais il y a l'ancienne partie de travaux, les symbolistes, hein, avec les systèmes experts, les systèmes à base de connaissances, mais il y en a d'autres. Et donc, on assiste à énormément de travaux de recherche dans tous ces domaines et qui se croisent. Hein. On peut utiliser une technologie croisée avec une autre. Par exemple, un certain nombre de projets de recherche utilisent une approche évolutionniste avec des algorithmes inspirés par l'évolution pour bâtir d'une façon évolutive, donc par apprentissage en quelque sorte, des architectures de réseaux de neurones. Donc on est en face effectivement d'une accélération des recherches dans ces domaines. Je conclurai sur ce slide un petit peu à l'image des niveaux pour la voiture autonome tout à l'heure. On a parlé aussi d'IA forte et d'IA faible. Là, c'est une classification que j'ai proposée et qui permet de situer un petit peu plus où on en est aujourd'hui et ce qui paraît un petit peu plus de la science-fiction. Un premier niveau d'intelligence artificielle, on la qualifiera de sous-humaine pour des tâches spécifiques. C'est la majorité des systèmes aujourd'hui hein, qui sont sous-humains pour une tâche spécifique. Vous prenez l'exemple d'un chatbot aujourd'hui, il ne tient pas une discussion, pourtant il a des techniques, on utilise des algorithmes et techniques sophistiquées aujourd'hui, mais il est incapable de tenir une discussion pendant plus de 2 minutes avec quelqu'un qui va discuter. Or nous, on est capable de discuter tout à fait d'une manière naturelle, sans aucun problème. Ensuite, on a ce qui est, les 2 et 3 sont presque équivalentes, hein, c'est équivalent à un humain pour des tâches spécifiques. Donc là, on a des systèmes, typiquement un système de réseau qui reconnaît des images est quasiment équivalent à ce que sait faire un humain dans les conditions. Hein. On obtient des résultats similaires. Aujourd'hui, ce qui défraie un peu la chronique, c'est des systèmes qui sont supérieurs à la plupart des intelligences humaines pour des tâches spécifiques. Donc ça, c'est l'enjeu du deep learning, en particulier aujourd'hui, d'avoir des systèmes qui dépassent la capacité humaine.
Ensuite, on passe au-dessus, supérieur à toute intelligence humaine pour des tâches spécifiques. On a quelques cas aujourd'hui, hein, en particulier AlphaGo, AlphaZero. On peut mettre un humain devant ce type de système, ils sont écrasés systématiquement par la machine. Mais encore une fois, ce sont à chaque fois pour des tâches très spécifiques. Hein. Donc, plus la tâche est spécifique, d'une certaine manière, plus on a des chances d'être capable de construire un système qui va la faire et avec une capacité qui peut à terme dépasser la nôtre. Maintenant, ce qu'on ne sait pas faire, et à mon avis pour un certain nombre de temps, hein, pour un certain nombre de temps, voire de siècles, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis des AGI, donc des intelligences artificielles générales, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus uniquement dédiés à une capacité spécifique, mais qu'ils soient capables, effectivement, d'être au moins équivalent, voire dépasser dans certains cas l'intelligence humaine sur des tâches générales. Donc là, aujourd'hui, ça reste aujourd'hui à ce niveau-là de la science-fiction. Et enfin, le niveau ultime, ce qui défraie un peu un certain nombre d'ouvrages et de publications, c'est ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire l'idée que les IA, au bout d'un moment, seront capables de s'améliorer elles-mêmes et on aboutirait en 2045 à un système qui serait la dernière invention de l'homme puisqu'elle serait capable de s'auto-améliorer et qui surpasserait de ce fait-là tout ce qu'on peut imaginer en termes d'intelligence. Donc ça, on est clairement là dans un concept. C'est très intéressant philosophiquement à discuter pour essayer de comprendre, mais on n'en est même pas au début. Et je ne connais pas, pour ma part, de chercheurs sérieux qui travaillent à ce genre d'idées. Voilà, je vous remercie.